parce qu'on est, on prend trop de place, non? Non, non, c'est plutôt raisonnable pour... le son, je sais plus du tout. Comment tu vas, Joex? Bah, c'est un bon samedi? Je sais même plus quel jour. Bah, j'ai hésité, ouais. Faut que tu me dises de la musique. Attends. Cruel Sun, et c'est un mot qui était vraiment un soleil. Ah oui, rien que ça, quoi. Merci. Ouais, sur aussi. Seven Deadly Sins. Merci beaucoup. Toi aussi, du coup. C'est fort. Attends. Allô? Test 1, 2, 1, 2. Tu me crois pas. C'est pas fort. Comment c'est pas fort? Vous avez configuré une machine pour du rétro gaming, c'est vrai? Oh, ça a l'air d'aller. Dans ce cas-là, je dis plus rien. Bah super! Ça a l'air très très bien. Même pas très fort, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un jeu d'ambiance, hein. On va monter un petit peu. Et c'est quoi, c'est un PC du coup? C'est une tour que t'as fait uniquement... Ah oui, ou alors vous avez fait une console, enfin une... un truc du genre Renpy, une machine avec un Renpy et des émulateurs. Oh, cool. Oh, très joli thème encore. Ah oui, La Croisière s'amuse. Très bon titre aussi de stream, tiens. La Croisière s'amuse. Mmh. Dommage. Occasion ratée. J'ai posé la question. C'est le noir et blanc. C'est très sombre. Mais la Sensi. La Sensi. Ah, ça y est, c'est de la faute de la Sensi. C'est ma Sensi. Facile ça quand même. Pourquoi je peux plus mettre Donc, start? On en était où? Commande. Je vais faire le clap après. Manette. Sensi. Il a pas changé toutes les options. Ok. Ah oh, c'est sensible encore là, non c'est trop. Ah non, c'est trop. C'est trop sensible. Oh, hein. Ouais, c'est trop. Petite sensibilité. Ah mais non, mais réinitialiser, abruti. Voilà, on va essayer comme ça. Bon. Sensualité. Et à direct quoi. Ah oui bah super, j'ai pas eu. Salut YouTube, jumpscare ça, le bateau. Bonsoir, okay. Le bateau, l'acting, tout ça. C'est toi qui es sensible, c'est vrai que je suis très sensible. Et bienvenue. Contrairement à ma sensibilité dans les jeux. On y voit que Pouic. On y voit que Pouic. Ah oui. Ah vas-y Tango, ah oui, avec grand plaisir. Ah, les anecdotes nulles, c'est trop bien. Avec grand plaisir. Mets un pose bleu. Ah non, pose vers le haut, hein, pose vers le haut. Hein? Je crois qu'il est bleu aussi. Maintenant. Bah, il est bleu, le pouce. Mais... Quoi? Mais dis-moi ça, malheureux. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ah ouais, ça bug. Y a plus de trad. Allô? Seulement l'un d'entre nous sait ce qui doit être fait. Seulement d'un d'entre nous sait ce qui est en jeu. L'autre n'a pas besoin de savoir. Il n'a pas besoin de comprendre. Seulement d'écouter et d'agir. C'est un peu nous, ça, en fait. C'est un peu nous dans les jeux d'énigmes, ça. Je ne dirais pas qui agit et qui écoute, hein, mais... Enfin, qui agit et qui réfléchit, mais... Parce que la flemme, ou alors il boude. Bah, j'espère que c'est pas cassé, parce que oui, il veut pas le dire. C'est pas du grand anglais, mais... Ah ouais, mais quand même, la dernière fois, il y avait des trades. Sur les longs textes, un peu relou. Non, là, c'est cassé, en fait. Sur le journal ou des trucs comme ça, bon... Par contre, pas de couleur, quoi. Là, pas de couleur. The Artist, quoi. Pas de couleur. Oh Lily, I think there's something in the dark. Chut. Someone's coming. Ah, elle est cassée, merde. Hello? Anyone there? Très joli, hein. Bloody hell. C'est bon le son du coup. Oui, c'est bon. Non mais c'est important. Oui, c'est important. Donc dommage, pas de lampe torche. Je m'attendais à une petite phase en lampe torche, ça aurait été agréable. Bonjour. Et là ça s'éteint. Il y
Il y avait pas un journal. Ah non, c'est pas en noir et blanc. Attends, faut se mettre en noir et blanc. Ah oui, c'est vrai. Surtout vu le jeu. À l'époque où les 406 étaient sortis, une fois mon frère est revenu d'une course en m'annonçant qu'il y avait dans la rue une 406 coupée. Ma mère passait à côté de nous et a répété BT1, 406 coupée. Comment ça a coupé ? 406 coupé ? Attends, j'ai pas compris. Mmh. Ça m'aurait étonné. Je le lis et il comprend pas. C'était censé. On est venu d'une course en m'annonçant qu'il y avait dans la rue 406 coupé. Ça a côté de nous, répété BT1. 4 saucisses coupées. Ah, 4 saucisses coupées. Les saucisses. Je croyais qu'elle avait cru que c'était une 406 qui était coupée. Mais coupée en deux. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est ça. Bah, elle est cool comme anecdote. Ouais, elle serait cool. La musique ? La musique. Je m'en souviens même plus du. Oh, joli, joli. Allô ? C'était passé. Tu vas éteindre la lumière là-bas pour sentir l'ambiance. Bah, faut que tu. Oh ! C'est mon anniversaire. Hein. C'est pas parce que c'est ton anniversaire que mes maladies s'arrêtent. Hein. Très joli effet de lumière. Ce serait sympa d'ailleurs. Quoi. Très très joli effet de lumière. Tu demandes à mon corps de faire une pause. Et là, voilà. Voilà, l'ambiance. Bien. Oups. Pardon, on va revoir quelque nous chose. Nous étions, j'essaye de résumer un petit peu où on en était. Sur un bateau. Sur un bateau, nous étions un acteur, visiblement, qui joue extrêmement bien. Nous étions en noir et blanc. Et qui, du coup, s'entraînait sur ce bateau, visiblement. On sent de bois. Voilà. Et il y a des, du coup, des, y avait eu des anecdotes sur son enfance et tout ça. D'accord. Là, pour l'anniversaire, je vais mettre un truc sur Discord pour vous remercier. Moi, je me rends compte que je lis dans ma tête déjà pour éviter de... Oh. Voilà. Ah, il y a quand même de la vie sur ce bateau. Et que je réponds beaucoup juste comme ça. Bonjour. Ah. Ah. Je fais quoi, Ah, bah super, on en parlait hier. Hein. Ah, c'est un joli cadeau, ça, le pipi. Du pipi potable. Ok. La cale, donc. Ah, français. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Ah. Incroyable. Grosse interaction. Vu. Je crois que je t'ai pas vu. Il y a le petit vieux monde derrière. Même la caméra, elle est pas on tangue. Ah. Pour courir peut-être. Hein. Ah. Cours. On peut courir. Barre-toi. Comment on court? Cours. Il y avait la touche de, oui. De pour courir là-dedans. Oh, au secours! Ferme la porte. Oui, non, mais je fais pas le temps. Il casse tout. C'était RT la touche pour courir, je crois. Close the door. Ferme la porte, on t'a dit. Oh là là. This bottle do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Ah. Pas besoin d'en venir aux mains, hein. On peut s'entendre, monsieur. Vous avez bougé tout le bateau. Il est très énervé. Le fils. Pas très énervé. Ok.
Oh, je sais plus comment on se baisse. Ah. Attendez. Ah. Je sais plus comment on se baisse. Oups. Comment? Bah, essaye toutes les touches. Y'a rien qui marche. Crouch. Appuie sur C. Appuie sur C, ça marche pas sur la manette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon. Bonjour. Alors, la porte. Ah, mais la porte. Ah, bon. Mais évidemment. Je peux pas me baisser. Mais les portes, bordel. Mais je peux pas me baisser. Où ça? Quoi? Mais Kevin, je vois rien. Ok. Toi, tu te fais courser par quelqu'un, tu fermes pas les portes derrière toi. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. C'est terrible. Au secours, mais la caméra. Oh, mais il a eu le temps de casser toutes ces portes là. Très énervé quand même. Mais putain, si mais la caméra qui bloque, vas-y. On est pas aussi tôt que ça. Mais c'est la caméra qui se bloque. Oh, super. Bonjour. Ok. Ça a l'air très intéressant, mais j'ai pas vraiment le temps de m'arrêter. Ok. Bon. Je sais pas comment on court, c'est bien. Si, là je cours. Hein. Je peux pas me baisser. Ah là, tu cours. Ah bah super. Là je cours, là je suis à fond. The door behind you. Oui, non, bah, c'est bon, on a compris le principe maintenant. Bah visiblement non. Baisse-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une bobine. Avec des rats. Ah, c'est une très jolie... Ah non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une jolie bobine, j'ai l'impression. Ok. Ok, on a une bobine. Pour la mettre là-bas, je pense. Ouais, donc ça c'est l'équivalent des tableaux dans l'original. Mm. Enfin, des éléments de peinture en tout cas. Ok. Ah... La couleur. Pas mal la couleur quand même. Ça fait du bien quand même, ouais. Se cacher. Il y a de l'installation. Ah! Électrique. Allô? Bah non, j'avais dit, il n'y a pas d'installation électrique. Allô? Hein? Ça charge. Quoi? Bah c'est. Je vais trop taper le chargement. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais... Non. Oula. Ah, aïe. C'est compliqué les portes. Hein. Ah oui, mais ça se... Ah oui, ça y est, on est revenu. Oui. Quoi? Il est où le coup de pression? Par contre, les perfs... J'ai pas vu qu'il y avait un coup. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Maman, les perfs, quoi. Allô? Allô? Attendez. Pas de réponse. Ah bah super. Accès aux détails. Quoi, pas de réponse? Quoi tu parles? Marqué pas de réponse. Mais non. Quoi vient se passer? Va bien se passer. Et la carte est au bout de sa life. Non, il n'y a pas de réponse, c'est normal. Enfin, je crois. Bah. Bon. Okay. Oui, bah c'est bon. C'est bon, hein. Attends. Voilà, on va faire ça. Parce que hop. Je passe plus de temps à régler des trucs. Bah oui, parce que le jeu tout saute là. Le jeu tout saute, donc... Ça se dit. Hein? Allez, on va dans le hub. Yeah. Ah, tu vois, les perfs, c'est compliqué. Hein. Je peux mettre des trucs dans le... Putain, mais il y a un truc, c'est la souris, en fait, qui... C'est la manette ou c'est le stutter. Mais c'est la caméra, c'est pas... T'avais joué à la manette la dernière fois, t'es sûr? Ouais, j'ai joué à la manette, là c'est bon ça, le jeu. Ah, il pleut maintenant. Ok. Grosse ambiance. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai qu'on les a...
Le 1 et le 2. On peut les écouter maintenant. Comment on les met dedans? Ils sont dedans? Ils sont dedans. Ok. Ok. Ah, c'est l'enfant. C'est le petit. Faut arrêter d'appeler le prône en français car on s'en... il faut l'appeler la crevette. C'est vrai que c'est très mignon la crevette. Ah. Très bien ça. Il y a les gens. Oh. C'est pour ça que ce soit à nous ça. Bah peut-être, hein, qu'elles sont. Quoique oui, c'est, si jamais on est un acteur. Pourquoi pas. Non mais y a un souci, regarde la manette. Bah, j'y suis pour rien, moi, je joue au clavier. C'est horrible. Pourquoi fait ça? Chichi. Non, t'arrêtes de l'embêter. Un peu. Mais je l'embête pas, c'est lui qui veut se coucher sur moi. Ah ouais, non, c'est horrible. Ah, c'est la sensi à tous les coups qui fait ça. C'est la sensi. La sensi finit à la pisse en fait. Toujours la faute de la sensi. Non, non, c'est juste de la merde en fait. Bon, bah, je vais jouer au clavier, que je te dise, mais moi je voulais jouer à la manette. Mais... si je redémarre. Je redémarre DSK. Ok. Voilà. Tac. Mais je te déteste. Mais saloperie. Ok, ok, ok. Voilà, on va essayer comme ça. Donc je jouerai au clavier souris. Je pouvais pas me baisser, déjà. Mal parti. Et si j'enlève DSK, là, peut-être qu'elle marche quand même, la machine. Ah voilà, c'est pour ça. C'était DSK qui faisait tout casser, ok. La sensi est trop basse. Voilà. Trop basse. Ah, la sensi c'est important. Ah, le retour de Parsenog. Enfile le masque. Ah, Persatch, bah oui. Montre ton visage. Dyslexique, vraisemblablement. Le... oh, mon tricorne. Ah. En chaque acteur sommeille le rôle qu'il est prédestiné à jouer, le personnage qu'il est voué à construire, sculpter dans le marbre, donner forme à l'informe, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Bon, tu mets les films un peu là. Bah attends, parce qu'il y a des, il y a les collectibles. C'est vrai qu'il a pas, on n'a pas regardé, mais il y a plein de costumes du coup éparpillés à gauche à droite. Bon, effectivement, moult robes, etc. Ce qui était assez classique à l'époque, hein, si on est vers le
Fin du 20e siècle, fin du 19e. Ah, regarde, on a trouvé toutes les affiches, enfin une partie des affiches. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Pas Dracula, ça. On n'a rien trouvé. Et là, est-ce qu'on a du nouveau? Dans l'océan. Ah! Bateau. Oh, boya. Ah. Ah non, pas un délire avec Toulouse. Hein. Je veux pas qu'il y ait un Reaper qui pop. Oui, c'est raide. C'est un petit peu raide. C'est une inauguration, j'ai l'impression. Ou alors c'est la Je sais panique. pas. Non, Il y a c'est une des inauguration, il y a des journalistes. journalistes. Et ça, c'est nous, du coup, j'imagine. L'acteur qui est en train de monter sur le bateau. Ok, le port. Le ponton. Que là, rien de très probant. Il y avait une salle en haut, non, pour les... Ouais. Recording, c'est la suite. Ouais. Regarde, ça ressemble vachement aux œuvres de l'ancien du protagoniste de Layers of Fear 1. Au niveau des visages. Enfin, de ce qui semblait. Pourquoi il a des tricornes partout, ça, par contre? Construction de personnage, motivation. Mais oui, mais on l'a déjà lu ça, non? Quels sont mes besoins? Ah non, quelles sont mes motivations? Quelles sont mes qualités, défauts? Qu'est-ce qui me pourchasse? Ah! Alias me hante. Et j'ai cru que c'était en 3D. Ah voilà, on a les rats là. Il faut mettre les rats là. Voilà. How far can he go? How deep Bah ouais. can he descend? Bah oui, ça fonctionnait avant. Bah oui. Is still there, buried, hidden away, locked in a vault, a prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think. It knows. It needs. It acts. Where reason dare not go, instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind. And brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the key and claim his prize. Des fourmis. Bah, faut le faire pour après, moi je croyais que c'était ouais. bon en fait. Là, non, c'est bon. Ah, acte 2, la Chasse. chasse. Ah. J'aime pas. Donc on est obligé de passer par là donc pour débloquer dans tous les cas la suite. Bah non, parce que c'est pas le même. Pas le même. Capture de jeu. Voilà. Tac. Voilà. The Hunt. Comment quoi? Ah, à dire, ah non, direct. Ah, il fallait descendre en bas en fait dans Recording. Ah non, c'est bizarre. Juste un rêve encore. Oula, ça tombe. Regarde les radiateurs. Incroyable. Les anciens radiateurs. Tellement de détails encore. Et encore ces tableaux, tu vas pas me dire que c'était des tableaux par défaut du truc.
C'est forcément un enfant, mais il a dessiné tous les tableaux du bateau, quoi. C'est tout le temps le même. Ah, mais du coup, c'est pas logique. Ah, d'accord, oui, je crois que je vois ce qui se passe. D'accord. Très joli, hein. Très très joli. Ah. On va prendre des photos. Could we take this again? La caméra obscura. There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. On pourra prendre en photo des fantômes. Ah non. C'est une référence à avec le cerveau. Okay. Une bibliothèque incroyable. Je m'y attendais pas. C'est bah, dingue que je me fasse avoir principe, encore. C'est quand même terrible que je me fasse avoir. Allô? Peut-être que le jeu va se vénérer de la Bah, j'imagine compagnie. qu'il va, il va se vénérer de plus en plus, parce que là déjà à la fin de l'acte précédent c'était un petit peu énervé quand même. Alors que j'avoue qu'il commençait un petit peu trop mou sur les bords. Là, ça risque de s'énerver un peu. Il est plus lent au niveau du rythme que le premier, j'ai l'impression. Au Le premier premier, commence le assez premier rapidement quand aussi. même. Pas Mais forcément. c'est vrai qu'il devient très énervé sur la fin. Ah bah super! Ah bah, qui c'est Tiens, qui va salopée de plancher, ah nettoyer? bah Bah bravo! bravo. Non bah non, je veux pas y aller. J'adore. Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign? Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Impossible de dire son nom. Guy, peut-être. Guy. Peut-être Guy. On va aller par là, je crois. On peut, merde. Ça va être fermé, un truc. Et pipe. On tank de ouf, hein. Ça, puis on tank, j'ai l'impression. Bonjour. Et grosse ambiance, hein. La porte qui claque, le chaos Grosse, fondu, grosse ambiance par ici. quoi. Ah, monsieur, Vous pouvez pas un petit calmant, non? Xanax, là, non? C'est mort, c'est des lignes de, entre guillemets, de brûlure. C'est les lignes que tu vois sur les films, quand ils sont brûlés ou abîmés. Ah, ça y en a parti en noir, là. Ah! Hein? Ah, mais comment je pouvais deviner? Mais comment voulais-tu que je devine? Ah, d'accord, ok. De pas être. Effectivement, c'est par définition. C'est vraisemblablement ce que l'on n'est plus du coup, enfin ce que l'on est. Ok. Il faudra que je t'attende à tout moment à Ça y est, t'en prendre maintenant les plein à poursuites ton. s'est intégré. Ouais. Vas-y, viens, viens, vas-y, je t'attends. Monsieur, secours! J'ai voulu prendre à droite, mais Quoi? Quoi? Je crois que j'étais mort. Voilà, fallait le deviner en mourant. Mais pour moi, la porte, elle était très gentille, cette porte. Okay. J'ai cru que c'était mort, hein. J'ai attendu l'écran game over. Hein. Bah ouais, J'ai sauté de 5 étages. Ça fonctionne visiblement. Ah, incroyable! On est sur le pont! Oh, mais on voit rien. Incroyable! Standby, dead slow, slow, half, full. Astern. Et head. Astern? Mais pas le terme. Bah. On y va. À fond. Il y a une croix, faut peut-être mettre sur la croix. Toutou. T'en fous de ce que je dis. When chasing dreams, we often find ourselves in a nightmare. Ah, c'est très edgy, hein. C'est très edgy ce que tu racontes, hein. Enfin, j'ai très peur. Hein. Ouais, j'ai peur. Incroyable. C'est vrai, j'ai peur qu'il. Du coup, j'ai résolu l'énigme ou
Et c'est ralenti. Bien, allez savoir ce qu'il faut faire. Une énigme ? Se pourrait-il que ce soit une énigme ? Allez, on dira bonhomme. Moi. C'est vrai. On me les prise. Ah, on les branche. Hop. Et on branche. À la Half-Life. Ok. Ouh. J'ai chanté le propulseur principal. Ah. On se retrouve en permanence dans le noir. C'est vrai. En noir et blanc. Ah. Tu vas courir ou pas? Non, à chaque fois il s'éloigne des trucs. Ah oui, quand il commence à y avoir des perturbations. Est-ce que je dois courir? Est-ce que je dois faire? J'ai des signaux contraires de la part du jeu là, je sais pas comment me comporter. Il y a une échelle là. Ouais, là de toute façon on revient dans la pièce. Oula! C'est trop grand là. Et l'énigme continue. Oh. Des clous! Heure et description des activités. 1h05, début de la patrouille sur les ponts inférieurs. 1h30, rien à signaler dans la salle des machines, direction la soute. 1h38, entendu des bruits suspects au milieu de la cargaison. Suis allé jeter un œil. Ma lampe s'est brisée. Ai dû faire demi-tour pour en chercher une neuve, entourée en rouge. Propriété de la compagnie endommagée, déduite de la paix. Et abandon de poste, mesure disciplinaire recommandée. 1h53, reprise de la patrouille, plus rien à signaler. 2h30, fin du service. Okay. Abandon du poste, effectivement, à 1h38. Il est parti chercher une nouvelle lampe. Ah, ça va, il est parti chercher une lampe. Bonjour. Ça va? Tu réfléchis là. Tu m'as l'air troublé, Momo. Là. Là. Voilà, va là-dessous. Excuse-moi. En ce moment, je fais que de vous mettre. Oula, des... alors c'est le retour des mannequins. Incroyable, la salle des machines. Ah, cours ! Quoi ? Ah non. C'est la PLS. Non, ah, il est parti. Non, mais tu vois, les coups de pression, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, dans la panique, à chaque fois, c'est court, mais en fait, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être cette annonce que tu dois fuir dans 5 minutes. Il y a des chances, ouais. Oui. C'est très chaleureux, en tout cas. Très cossu. La balance. Incroyable. Très joli. Ah. Et je peux nouveau m'accroupir. Une victoire. Très sympa. C'est joli en tout cas. Oui. Bon, on voit pas grand chose, c'est joli. Est-ce qu'on va rejouer à Light Matter? C'est ça. Ah. Et là, on change de jeu. Qui va là? Là, une échelle. Incroyable. Toujours plus d'échelle. C'est marrant. Je pense. Ah oui. Je lui dis là, effectivement, le noir et blanc apporte certaines approches. Oui. C'est quoi? Attends. Presque photoréaliste. Ah, franchement, c'est. Ok. C'est très joli. Mais non, mais. Grosse interaction. Ah bah oui. Ouais, passage secret, regarde. Regardez, au type. Ah. Ah, nouvelle photo. Une diapo. Ah oui, non, une diapo. Oui. Bon, une diapo, est-ce que c'est pas une photo, un peu? Pas vraiment. Bah si. Bon. C'est complètement une photo, une diapo en fait.
Ok. C'est du manger. Tour de magie. Existe toi. Mais. Mais mes courgettes. Et les guélumes alors. Bon, on est repassé en couleur. C'est une bonne chose sur principe. Ok, le garde-manger complètement vide. À un moment donné, le jeu va te troll de toute façon. Il va te dire c'est en couleur, mais le gars te poursuit quand même. Qu'est-ce que quoi? Ça, c'est pas normal en général, ça. Vous avez déjà vu ça dans votre frigo? C'est mauvais signe en général. Les oignons et les courgettes qui se mettent à voler. C'est ça le bail. Ouais, c'est mauvais. Il y a une paume. Attends, j'ai cru que la Sea Emperor allait me parler d'un coup là, avec la vision. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du canard? Rien, moi. C'est plutôt mauvais signe. Sauf dans l'ISS, c'est ça. Il y a des donuts. Un donut! Incroyable. Ok, tout va bien, tout va bien. On en rond, bah ouais. Ah, et là. Même ce qu'il y a. Une pomme? Ouais. La pomme hantée. Le jumpscare alimentaire, quoi. Ah! Ah oui. Ah, mais ça me rappelle quelque chose, cette affaire. Ah hein. Bah, c'est dans le 1, c'était la même chose. Ah ouais. Le jumpscare alimentaire, quoi. Bon, il a fonctionné, celui-ci. Hein. Se faire attaquer par des pommes et des poissons. Incroyable. Ah, c'est un petit peu dégueulasse. Ah ouais, non. Bien fait. Logiquement, on est dans un navire qui est... Bon, là, globalement, on commence à se demander si... depuis combien de temps on est là-dedans. Si on est vraiment là-dedans. Une main. Mmh, ouais. J'aime bien les parties qui se passent terre. Dans. Ah. Ah oui. Aveugle. That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. The captain Baines, the food. It's gone. Yeah. C'est une main, effectivement, c'est un talisman. J'aime bien les passages qui se passent dans les quartiers d'habitation. Enfin, dans les secteurs d'habitation. Je trouve le vachement joli avec ce bois laqué et tout. C'est vrai. C'est très sympa. Sur le pont, j'aime bien qu'on tombe sur le pont aussi. Ah. 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 Ok. Ah. T'as vu. Mais encore cet artiste là? Oh, la peinture craquelée. Belle texture. Beau travail de texture. Ouais. Et j'ai cru que c'était un... C'est la trappe couillon. C'est la trappe, c'est le bait. Ça, je connais ça. C'est le bait. Voilà. Je charge la zone là. Il charge le gros jumpscare qui vient après. Sûrement. Très cartes. Clairement. Moult cartes. Oh là là, c'est un bon endroit pour courir, joli. Ça, non? Très joli, ça. Voilà, 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 voilà. Ah. Ah, c'est le glitch. Ah oui, non, mais je crois que tu dois courir. Ah, non, est-ce que... Ah ouais, faut que... Barre-toi. Barre-toi. Oui, oui. Je me cache. Ferme derrière toi. Et ferme, oh. Ferme avec le... Voilà. Oh, ferme. Le gars s'accroupit dans un coup. Pas moi, je suis pas là. C'est bon là. Ça suffit là. Le gars derrière une porte fermée lui dit « Ah, ça suffit, hein !» Mais il s'en va un jeu. Mais il s'en va pas, en fait. Faut que je me cache, hein. Si tu veux sortir pour le voir, vas-y, hein. Bah, mais il s'en va pas. Bah, attends deux secondes. Arrête de faire du bruit. Bah, ça fait longtemps, quand même. Je crois qu'il se balade, il faut que je me cache, hein. Faut que je joue à cache-cache avec lui, hein.
Un peu plus style amnésia. Bah vas-y. Je vais derrière la porte. Oh, ça brûle. Hein. Mais c'est la triche. Non mais il a bugué en vrai, je pense qu'il a bugué forcément. Nous savons ce que nous sommes et nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Beau. C'est très beau. Mais qu'est-ce qu'il me voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Comment il allait... Il va super vite en tout cas ce monde. J'avance en fait. Non mais j'ai pas le choix en fait. C'est un bug de script. Enfin, c'est un bug de script. Hein. Voilà. Ah, c'était un bug de script. Moi, je te garantis, je sors plus jamais de là-dedans. Sauf que là, fait chaud là. Fait chaud là. Ah, je crois que t'es en train de te. Je suis en train de me faire brûler vif, je crois. Ouais. C'est bon. Ton personnage pique. Il est pas content. Ok. Là. Merci beaucoup, Colonel Carter. Merci beaucoup à toi, trop mignon. Et puis bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. C'est trop mignon, merci. Très gentil de passer pour me le souhaiter. Merci beaucoup. Mais Adora, mais merci, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un... Qu'est-ce que c'est adorable. Il y a eu un salut. Ou... Salut tout le monde, salut Solo Zero, salut Chouchou, ouais, trop mignon. Joss a cafeté. Joss. Salut les babars. Ah bah bravo Joss, hein, super. C'est trop mignon, merci beaucoup. C'est trop mignon. Super gentil. J'espère que vous allez bien. C'est par là, je viens de souhaiter un bon anniversaire à toi aussi. Des bisous à vous, salut Afro, merci, merci Afro, aussi. Des bisous. C'est trop mignon, merci beaucoup. De toute façon, la menace de aller souhaiter un anniversaire à Clément, super. Non, mais je vous jure. C'est pas possible. Je flippe. Bonsoir à vous, merci beaucoup. Ah bien oui, sûr, tout, à fait. Tout à fait. Le permis déjà. Le permis, le bac, hein, le bac. Là, je veux l'horreur. Il y a un petit côté The Ring. Hein. Moi, j'ai eu mon bac à 18 ans. Ah. On va le cacher. Allô. Merci pour ton follow. Merci. Oh, c'est quoi ce format Carter. Horrible? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que cette histoire? Merci beaucoup, Colonel Carter, pour le follow. Pourquoi tu peux pas avoir la porte là? Parce que. La dernière fois qu'on a pris une porte, on s'est retrouvé dans l'univers blanc chelou là. Pas de porte. Mais si, il faut que tu le fasses comme la dernière fois pour la faire apparaître. Ah, ça y est, elle est apparue. Maintenant, faut que je. Ah, faut que je les voilà, colle. Là. Là, voilà. C'est du collage. Aïe. J'ai fait des collages. Il y avait des trucs par là. Ah non. Est-ce que ça va? Non, il y avait rien, c'est bon. Non, il y avait rien en fait, c'est bon. C'est tellement le jumpscare assuré. Tu y vas. Parce que. Ah non. Ah non. Par là. Non. Et là, paf. Non. Non. C'est toujours quand tu t'y attends qu'il y en a pas. Là, c'est logique. En général. Et on y va. Allô? Il manque encore un élément à cette porte? Tu l'as pas bien faite? La poignée, peut-être. Ah, il manque le cadre. Le cadre? Non, il manque la poignée. Ah. Il nous faut une poignée. Ah, la clé, il nous faut la clé. Ah, la poignée, voilà, c'est ça. Ah, intéressant. Incroyable. Pas mal. C'est vrai que ça a mieux fonctionné comme ça. Ouais, très brillant cette poignée là. Ah non. On a pas tout à fait la poignée, bah... Poignée.
Cadre. Ah, la clé maintenant. Il faut la clé. Ah, d'accord. Ok. Et cette poignée, la poignée de lumière. Oh. Ah mais c'est le navire qu'on a vu, qu'on a visité. C'est le, ouais, le, oui, oui. Le tournage du navire pirate. Il est là. Ça sert à rien. En effet. Intéressant. On retrouve des environnements qu'on a déjà croisés. Ça reste un navire, normalement il ne devrait pas être aussi immense que ça. Même si quand même. Ambiance musicale. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. Je le sens pas. Son cœur. Je mets la télé, hein, papy. Hein. Il a besoin d'un cœur. Encore ce tableau. Il a besoin d'un cœur. Non. Ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire, simplement. Je vais faire plus. J'ai éteint la télé. Ok. Et ouais, effectivement. C'est un truc, pour simplement. En effet. Bonjour. Des cabines. C'est quoi ce bruit? Quelqu'un joue à Keyport. En rythme en plus. De chef de la sécurité à tout le personnel concerné, j'ai été averti qu'une partie des provisions avait récemment disparu. En conséquence, je n'ai d'autre choix que de renforcer les mesures de sécurité. À partir d'aujourd'hui, la nourriture sera rationnée pour tous les membres d'équipage et les vivres seront placés sous surveillance permanente. C'est les deux enfants à tous les coups. Vous voulez de la nourriture pour faire leur roleplay de pirates.